Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Tous sur le web. La courte vidéo que vous venez de voir a été réalisée avec l'application InShot. Avec cette application, vous pourrez réaliser des montages vidéo, des collages photos. InShot est téléchargeable gratuitement sur Android et iPhone. Donc il y a une version pro qui existe pour seulement 3 euros par mois et ça vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Personnellement, j'utilise la version gratuite qui fait très bien le job. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la partie réalisation de mon montage vidéo. Ici, on vous cliquez sur vidéo. On peut voir que j'ai un brouillon qui est en cours. Au-dessus, je vais en créer un nouveau. Vous arrivez directement sur les vidéos que vous avez prises avec votre smartphone. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc moi, je vais sélectionner la première et la dernière. Donc là, vous arrivez sur l'interface de montage de la vidéo. On peut voir que les deux vidéos que j'ai sélectionnées se retrouvent en bas. Vous pouvez modifier l'ordre de lecture des vidéos. Donc pour ça, il faut cliquer sur la timeline. Avec votre doigt, vous déplacez ce carré avant celui-ci. Donc ce rectangle, en cliquant sur votre timeline, s'affiche et vous permet de faire le montage de votre bout de vidéo. Vous pouvez couper le son de la vidéo. Donc moi, je le coupe parce que j'ai prévu d'ajouter de la musique par-dessus la vidéo. Ensuite, le rognage de la vidéo permet de supprimer les parties qui ne vous intéressent pas. Par exemple, là, toute la partie qu'on vient de voir ne m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais prendre cette partie et l'emmener jusqu'au trait blanc. Toute la partie qui est un peu plus sombre, ça veut dire que cette partie-là est supprimée de ma vidéo. Et pour supprimer la fin de ma vidéo, je vais faire exactement la même chose et ensuite je valide. Vous pouvez aussi modifier la vitesse, soit vous accélérez l'affichage de la vidéo ou alors vous pouvez aussi la ralentir. Vous pouvez ajouter un effet miroir. Si ce petit bout de vidéo, vous voulez l'ajouter à un autre moment, vous pouvez copier. On peut voir que la vidéo s'affiche en deux fois, ici et ici. Si je veux supprimer la duplication de la vidéo, je clique dessus et je vais sur effacer. En cliquant sur toile, vous pourrez choisir le format en fonction de l'endroit où vous allez partager la vidéo. Si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, vous cliquez sur ratio. Je peux ajouter des filtres à ma vidéo. Il y en a qui sont déjà existants dans l'application. Vous pouvez aussi ajouter des effets ou bien faire vos propres réglages. Donc, concernant la musique, en cliquant sur des pistes, vous avez une liste de musiques libres de droit proposées par l'application. Donc, par exemple, on va aller dans cet album. Et là, j'ai toute une liste de musiques et vous faites utiliser. Sur ma timeline, on peut voir que la musique a été ajoutée à la vidéo. Si je clique sur play, la musique devrait se lancer. Vous pouvez aussi ajouter des effets. Donc moi, par exemple, comme c'est très nature, je pourrais ajouter des chants d'oiseaux que vous retrouvez ici. Donc on va utiliser celui-ci. Ici, vous pouvez régler le volume de l'effet. Donc là, je vais le baisser un petit peu pour que ce soit en fond. En cliquant sur enregistrer, vous pouvez aussi ajouter une voix off à votre vidéo. Vous avez la possibilité d'ajouter votre musique, mais encore une fois, faites attention à ce qu'elle soit libre de droit. Vous pouvez aussi ajouter des stickers et des emojis sur votre vidéo. Donc ici, vous pouvez gérer la taille du stickers. Vous pouvez aussi le supprimer ou bien le modifier. Vous pouvez aussi ajouter du texte. On va écrire texte. Montage vidéo. Ici, vous pouvez gérer l'alignement de votre texte. Ici, vous gérez la couleur. Ici, vous pouvez gérer l'affichage du texte. Si vous voulez ajouter un cadre noir, jaune, etc. Ici, vous avez d'autres effets, les frontières, ombre, étiquette, opacité du texte, etc. Vous pouvez aussi changer la police d'écriture et créer un effet pour l'affichage du texte. Si par exemple, vous voulez qu'il arrive en effet zoom. Sur ma timeline, on voit que le texte que j'ai écrit s'est ajouté. Donc là, je vais le déplacer pour le mettre en début de vidéo. Donc je vais rester cliqué dessus et je vais le déplacer. Et on voit qu'il s'affiche ici. Vous avez la possibilité d'ajouter un fond à votre vidéo. Donc vous avez toutes les palettes de couleurs ici. Vous pouvez geler une partie de votre vidéo. Pour la supprimer, je clique dessus et je fais effacer. Mon projet est terminé, je vais le sauvegarder. Il va me convertir la vidéo et je vais choisir sur quel réseau je vais le partager. Donc par exemple Instagram, en story. Et ce qui est bien, c'est que lors de l'export de la vidéo, vous ne perdrez pas du tout en qualité. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt dans un prochain.